Bon, les bolideurs, vous avez parlé de celle-ci qui était en panne. Donc c'était bien un problème électrique. Donc j'ai procédé dans cet ordre-là. Donc j'ai fait en premier bobine, module. Et en fait, quand c'est ça, moi je mets une bougie directement à la bobine d'allumage. Il n'y avait pas de jus du tout, il n'y avait pas de courant. Donc j'ai pas pensé à l'allumeur parce que pour moi s'il n'y a pas de courant avant automatiquement il n'y a pas de courant à l'allumeur. Donc j'ai fait contacteur de Neemann et toujours rien. Du coup en fait ce que je me suis rendu compte c'est que au niveau de l'allumeur sur l'ancien, je l'ai pas avec moi là, mais il y avait plein de limailles à l'intérieur. Et sur le coup, j'avais pas percuté, mais en fait, c'est la partie interne de l'allumeur qui a dû rendre l'âme. Et donc, j'ai mis un autre allumeur que j'avais d'avance. Et ça a craqué au quart, donc voilà, au moins c'est réglé. C'était une couille, hein, comme d'habitude. De toute façon, en général, les problèmes électriques, c'est toujours des bricoles. À partir du moment où le faisceau il est propre, hein, je parle. Donc, il n'y a plus qu'à remonter l'intérieur et tout ça. Parce que j'avais tout démonté pour faire le contacteur. Donc, c'est un peu le chantier. Le petit contacteur qui est ici. Donc on va voir si ça démarre toujours, hein, on sait jamais. Avec la chance. Voilà. J'ai tout remonté sur la Golf 2 1600. Maintenant on va aller la laver parce que à la base c'est un bleu royal hein, mais bon elle a plus grand chose de bleu royal. Je vais vous montrer la différence entre un bleu royal propre et un bleu royal qui est resté bientôt un mois sans rouler. Donc celle-ci, donc c'est un bleu royal hein. Avec la vidéo on n'arrive pas à bien s'en rendre compte mais elle est dans un état c'est honteux, honteux. Et de la terre partout, bah ça c'est du fait qu'on l'a tracté aussi. Hein. On l'a tracté jusqu'ici, donc les projections, les toiles d'araignée. Enfin voilà. Un bon petit lavage, ça va lui faire du bien. La vieille, le dinosaure. Et un bleu royal propre. Bon, elle est pas bien exposée, mais bon, on se rend un peu compte de la couleur. Et il y a un petit peu de changement sur la GTI aussi. Donc j'ai rajouté ça. Donc les petites flasques. Que à l'origine, moi j'ai des flasques, c'est des flasques basiques, grises. Et il y a une marque, c'est MG Line. Donc vous pouvez les trouver sur Instagram et Facebook peut-être. Je pense que ça vient de Pologne. Et ils font des kits comme ça en fait. Donc c'est des petites plaques un peu plus finies on va dire. La qualité est bonne je dirais. Donc c'est vraiment taillé dans la masse. Hein. C'est propre, c'est bien fait quoi, les vis et tout ça. Après je pense que niveau tarif, je pense pas que ça vaut le prix qu'ils les vendent parce qu'ils vendent les kits complets. Moi j'ai déjà les center lock d'origine sur les rotiformes, mais ils font les kits pour les jantes stylo Z et tout ça pour rajouter un center lock, donc un factice hein, qui vient se visser avec un système qui vient se visser tout ça. Donc on a le center lock et la platine, je vais dire, et ils vendent ça à un prix. Voilà, ceux qui en ont acheté ils se reconnaîtront. Donc c'est beau, ça fait le taf. Niveau finition, franchement c'est propre. Mais bon, c'est cher pour ce que c'est. Je trouve ça vraiment cher pour ce que c'est. En vidéo, on se rend peut-être pas compte, mais ils sont plus rouges anodisés que rouge. Mais bon, ça fait un petit rappel. C'est pas trop. Faut pas abuser. Faut pas abuser sur le rouge. Donc voilà. On va aller la laver et je vous ferai la présentation comme d'habitude avec ses routiers et tout le toit.
Bon, on est parti. Bon, lavé, propre. J'ai juste passé un petit coup et séché. Donc, l'histoire de cette voiture. Alors, celle-ci, c'est une que j'ai achetée première main il y a quelques années, qui m'a servi de daily pendant quelques temps. Et en fait, celle-ci, je l'ai vendue à ma sœur, qui l'a voulu à tout prix, pour acheter la GTI. Donc c'est une 1600 EZ de 91, donc c'est un 75 chevaux. En réalité, c'est la même base que le 1,8 GU. C'est le bloc est identique, sauf que celui-ci il développe 75 chevaux. C'est un bleu royal, comme j'avais dit précédemment. La peinture est d'origine sur celle-ci. Donc elle a quelques petits. Voilà, elle présente super bien, franchement, elle est super propre la peinture. Elle a quelques petits bobos à droite à gauche. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est relativement bien conservée. Elle est surcombinée filetée, bien sûr. Comme toujours, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Niveau jante, c'est des Keskin. En 16, en 9 de large, il me semblait 4, je suis plus très sûr, mais il me semble que c'est ça, en 16 et 9, qui ont été modifiés par ma soeur parce que à la base, ces jantes-là, elles ont des vis décoratives, hein, tout le tour. Donc, du coup, elle a modifié les jantes parce que ben, c'est un peu la maladie sur ces jantes-là, c'est que les vis, ils cassent, ou voilà. Et ils étaient bien, bien fatigués. Je les ai eus par un bon ami, enfin, elle les a eus par un bon ami. Et donc je le salue au passage, il se reconnaîtra. Donc elles sont telles quelles aujourd'hui. Elle a refait les voiles, enfin les voiles qui sont pas démontables, hein, mais elle a refait les voiles et le centre en biton. Et je trouve que ça fait propre, ça fait un petit style un peu OZ Futura. Après voilà, c'est chacun ses goûts, hein, ça peut pas plaire à tout le monde. Le petit kit déco, ça c'est moi qui l'avais posé. Ça, c'est moi qui l'avais posé il y a bah, pareil il y a quelques années. Je l'avais posé avec un ami qui se reconnaîtrait aussi et j'étais pas censé le laisser. C'était pour le délire, pour voir un petit peu. Et au final, bah, c'est resté et même ma soeur l'a conservé parce qu'elle aimait bien. J'avais rajouté le petit interfeu Sassex. Que en interfeu, il y a plusieurs marques. En général, c'est Ella ou Sassex. Après les autres, c'est des répliques. Et donc ça fait un petit style old school quoi, une petite déco rétro avec le stickers, les feux et l'interfeu qui englobe le tour de la caisse. Elle a le petit silencieux GTI. Et en fait ce qu'il faut savoir là-dessus c'est que vu qu'il est bridé pour avoir 75 chevaux les 90, la ligne d'origine c'est du 42. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, mais 42 ça fait genre ça. Et donc, du coup, là-dessus c'est une descente en double, comme sur les GU, qui revient en 1 et en 50 sur les GU. Et sur celle-ci c'est en 42. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, enfin, j'ai acheté carrément une descente de GU en double 50. Donc, descente collecteur double 50. Bien évidemment, il n'y a qu'une seule. Il n'y a qu'un seul fournisseur qui fait ce tube-là en neuf et voilà le prix on va dire qu'il se touche hein, comme d'hab. Bon je l'ai mis pour avoir la conscience tranquille et me dire que c'est bien fait. Donc j'ai mis double 50 du GU, full tube en 50 et silencieux de style GTI parce que c'est une réplique. Hein. Ensuite elle a la jalousie, la petite jalousie sympa, pareil, enfin, un petit style old school. Ceux qui n'ont jamais vu comment c'est fixé, c'est pris directement dans le joint. Donc ça c'est dispo chez Mécatechnique hein, si jamais vous êtes intéressé par ça. Et vous pouvez la régler donc en ouverture ou fermeture. C'est un peu bruyant quand vous roulez. Surtout si le vent il s'engouffre dans la voiture, ça fait un bruit du diable. Niveau extérieur. Elle a la calandre de phare avec liseré rouge. Ça pareil, hein, c'est une question de goût. 4 phares, 2 phares. Moi j'aime bien les deux après. Hein. En petit pare-choc, 2 ou 4 phares.
Et les gros pare-chocs en général c'est 4 phares pour moi, mais bon après il y a des gros pare-chocs en 2 phares, ils sont super belles. Après c'est le style général de la caisse qui va faire que ça va passer ou ça va pas passer. Ensuite 3 portions de Rinature. Niveau intérieur, donc celle-ci elle a un intérieur cuir full, sauf les panneaux, donc pas vraiment full. Mais donc panneaux, enfin siège, excuse-moi. Siège cuir, banquette arrière cuir avec les appuis-têtes. Ça pareil, c'est bien sympathique parce que il y en a pas beaucoup qui l'ont. Sinon à la base elle avait un intérieur gris basique. Hein, sinon elle est clean. Hein. Elle a encore les petits tapis d'origine Volkswagen d'époque là. Ciel de toit, la totale quoi. Bien confortable en tout cas les sièges. Ça y a rien à dire. J'aime pas trop le full cuir. En fait, cet intérieur-là, il a été dans une de mes caisses aussi. Et j'aime pas trop le full cuir. Ça glisse, c'est chaud, c'est froid. Enfin, voilà, je trouve que c'est beau, mais il y a beaucoup d'inconvénients à avoir un intérieur cuir pour peu d'avantages au final. Ça se détend, c'est quand c'est pour être refait, ça coûte une couille. Donc je préfère quand même les intérieurs tissus. On va aller voir niveau moteur ce que ça donne. Tadam! Donc c'est le même que le GU. Le même. Esthétiquement, il n'y a rien qui change. Si le bloc vous avez les deux côte à côte, vous ne saurez jamais dire c'est lequel, un EZ ou un GU. Celle-ci, elle a faisceau de. C'est un faisceau de KR, il me semble. Je suis plus très sûr. Elle a une grosse bobine d'allumage. Un truc. On peut démarrer un camion avec ça. Boîte d'origine, c'est une 4T. Alors, ça, pour ceux qui ont déjà eu des 4T, c'est la boîte la plus longue du monde. Avec cette boîte-là, si tu as 300 chevaux, tu montes à 300 comme ça. C'est le rapport. C'est avec cette voiture-là, de toute façon, avec le 75 chevaux, la 5ème, tu la passes jamais. Parce que si tu passes à 5ème, et ben ça redescend. Donc tu es obligé de rester en 4ème pour garder du couple. C'est. Ouais, la 4T c'est un truc de fou. Il n'y a que avec ma GTD que j'arrive à l'exploiter du fait de la suralimentation. Mais là en Atmo, la 4T c'est la mort. C'est la mort. Le mieux c'est de passer en 4S ou boîte de GTI. Comme sur le GU et sur la GTI. Donc soit CD, soit AUG. Ou boîte de Golf 3 aussi, Golf 3 TDI. Ou TD, je ne sais plus c'est laquelle. Il y a une boîte aussi qui est pas mal. Petit problème de volant. Donc après avoir fait le montage, bah voilà. Hein. Du coup je vais m'arrêter, je vais le remettre à sa place. Et je pourrais vous donner mon ressenti correctement parce que là c'est pas gênant mais bon voilà. Je vais le faire ici sera bien. On est parti. Alors, déjà premièrement, elle a pas de direction assistée celle-ci. Donc après voilà, personnellement ça me gêne pas du tout, mais bon,
ceux qui ont l'habitude de rouler avec une DA, surtout quand on a des gros pneus, enfin des grosses jantes, comme ici en neuf de large, et pas avec des petits flancs, quand on a à l'arrêt ou en train de faire des manœuvres, ça se ressent quand même. Ensuite, il y a un truc que je supporte pas, que j'avais complètement zappé, parce qu'au final je l'ai eu tel quel, l'embrayage était le même, mais elle a le rattrapage automatique. Alors le rattrapage automatique, j'ai horreur de ça. Déjà parce que c'est pas. Enfin, personnellement je trouve que c'est pas fiable déjà. Et la pédale elle est beaucoup trop haute. Du coup il faut lâcher la pédale presque entièrement pour dire d'avancer. Il y a quasiment pas de. Il y a quasiment pas de garde en fait. Du coup quand on est habitué à avoir un réglage correct, qu'on peut avoir avec les rattrapages manuels, ben là c'est. Il va falloir un petit temps d'adaptation. Sinon, niveau conduite, Engolf 2, hein, un petit karting. Celle-ci, ça va, elle a pas trop de jeu dans la colonne de direction, parce que c'est un peu la maladie sur les Golf 2, ils attrapent vite du jeu. Souvent, on le sent de haut en bas, comme ça. Mais celle-ci, ça va. Faut pas oublier que quand je l'ai acheté, c'était une première main. Elle n'a pas été trop matraquée. Tringlerie et tout ça, il y a tout qui est en bon état. J'avais changé, il me semble, tout ce qui était tringlerie. Le bruit, c'est pas encore comme sur le GU. Hein. C'est plus. Allez, je vais dire, c'est plus sobre. Malgré qu'il y ait le même carbu, en fait, celle-ci et le GU, le 90S, ils ont quasiment la même config. Mis à part que celui-là, de base, c'est 75 chevaux, et que le GU, c'est le 90 chevaux. Donc en principe, il y a 15 chevaux d'écart. Mais ils ont le même carbu, la même ligne, au final, parce que sur le GU, il y a la même descente que sur celle-ci, le full tube, et un silencieux final. Donc c'est la même config. Ça marche bien quand même. C'est pas, comme j'ai dit, c'est pas un foudre de guerre. Mais ça se défend bien. Voilà, c'est pas. On va pas blâmer. À 30 ans, mes mères. Je trouve qu'elle se défend encore pas trop mal. Je vais essayer de trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde parce que là on est samedi. Et le samedi en général par chez moi c'est un petit peu bordel. Enfin samedi et dimanche. Hein. Comme là je suis à l'arrêt, il faut que je relâche la pédale entièrement pour que ça avance. Pour les personnes qui seraient intéressées pour acheter un Golf 2, que ce soit un 1600 ou un 1800, je me répète, mais mis à part les petits problèmes que vous pourriez avoir avec les carbus d'origine, et qu'il y en a qui ont jamais eu de problème et qui en auront peut-être jamais. Hein. Mais en général, quand il y a un problème sur ces moteurs-là, c'est les carbus. Carbus et allez, peut-être un petit peu l'allumage qui est un petit peu capricieux par moment.
Mais sinon, le bloc en lui-même, c'est une machine. J'ai déjà vu des préparations sur des bases de vitesse comme ça. Et sans rien renforcer, ça encaisse déjà pas mal. Et même des montages turbo sans préparation derrière, limite avec des joints de culasse d'origine, et ça tient. Donc après, c'est peut-être de la chance. Mais moi, je suis déjà descendu en vacances avec celle-ci. Du nord, je suis descendu à Narbonne. Aller-retour, j'ai jamais eu aucun souci. Et pourtant, dans le sud, avec des plus 40, elle a jamais chauffé, rien. Comparé au GTD, j'ai eu pas mal de diesel aussi avant. Des TD, des GTD, enfin après c'est que la finition qui change. Hein. Mais j'ai eu pas mal de diesel. Et les diesels, c'est pareil, hein, les 1 litre 6, franchement, ils sont réputés. Tous ceux qui ont déjà eu des offres de GTD ou des 1 litre 6, alors les 1 litre 6D, alors solo, c'est indestructible, vraiment indestructible. Et du coup, du 4 litres, 4 litres 5 au 100, et c'est indestructible. Que les TD, donc les 1600 en turbo, ceux-là, du fait de la suralimentation, c'était la maladie, c'est les culasses qui fissurent. Ça fissure entre les soupapes. Et Volkswagen, à l'époque, ils avaient donné une tolérance pour ces fissures. Pour dire que, en gros, les mecs, ils ont vu que les culasses, ils se fissuraient. Ils n'ont pas cherché à rectifier le truc. Ils ont dit non, bah, c'est pas grave, on va laisser une tolérance. Tant que tu as autant, et bah, c'est pas grave. Ça passe. Après, voilà. Hein. Des culasses, j'en ai fissuré une paire hein, sur les GTD. Mais derrière, préparé, ça marchait bien. Hein. Avec les K24, tu mettais plus d'un bar de pression derrière. C'était une locomotive, hein, mais putain, qu'est-ce que ça marchait. Hein. Ça frotte un peu dans les ailes devant. Un petit peu derrière aussi. Après, elle a des gros boudins, celle-là. Ma soeur, elle avait monté elle a monté les jantes avec les pneus qui étaient avec les jantes. Et je lui avais dit que le mieux, ça aurait été de baisser d'une taille ou deux. Mais bon, elle a préféré laisser cela et les finir, on va dire, pour pas devoir dépenser trop. Et donc du coup, par la suite, je pense qu'elle va baisser en taille pour plus de confort et ça frotte moins. Je vais mettre la caméra à l'extérieur et on va écouter un petit peu le son que ça fait. Sur ces dernières images, je viens d'aller récupérer la GoPro.
Donc pour tous ceux qui voudraient acheter un 1600 ou un 1800, je pense que maintenant vous avez suffisamment d'éléments et d'infos pour le faire. Donc je me répète encore, mais c'est des très bons moteurs et j'ai pas besoin d'en dire autant sur les Golf 2. Je pense que vous avez compris. Voilà, merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Je fais pas ça pour faire le gratteur, mais si vous voulez plus de contenu, il faut que la chaîne elle évolue, et pour ça il faut plus d'abonnés. Donc je vous remercie par avance. Et si jamais quelqu'un du Nord a du bolide, si vous êtes du Nord et que vous avez un bolide à présenter, et ben vous pouvez me contacter par message, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube. Vous me contactez, vous m'envoyez un petit message avec votre bolide et on voit pour faire une vidéo là-dessus, pour le présenter. Donc voilà.